Bonjour, bonjour, bienvenue à cette ouverture en fait du 43e Salon du livre de l'Outaouais. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette toute première rencontre. Je me nomme Vanessa Bell. J'aurai le plaisir dans les 30 prochaines minutes de m'entretenir avec deux autrices à la plume acérée. J'ai nommé Michèle Lapierre-Dallaire et Tania pardon, Ross. Michèle, Tania, bonjour. Bonjour. Oui, des voix. Je suis vraiment super heureuse que vous soyez avec moi cet après-midi pour l'ouverture du salon. Je propose de lire rapidement vos bios, donc sommairement, pour les personnes qui sont avec nous et ensuite on se lance vraiment dans la discussion. Bien sûr, pour les personnes qui nous suivent, les festivaliers, les festivalières, n'hésitez pas à tout moment, vous pourrez poser des questions et puis il y a quelqu'un qui fait le tri là-dedans et à la toute fin, pendant la période de questions, ça nous fera grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, je me lance. Michèle Lapierre-Dallaire, voilà. Donc, née au lac Saint-Jean en 1993, tu possèdes un enthousiasme démesuré pour les choses belles, qu'elles soient simples ou dangereuses. Tu peins, dessines, ris beaucoup et te trompes souvent. C'est toujours vrai? Ah ouais, vraiment beaucoup. Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK, est ton premier roman. Il a fait partie, en fait, de la liste préliminaire 2022 du prix des libraires dans la catégorie roman, essai, récit. Et tu viens tout juste de remporter un prix extraordinaire, le prix Jacques Poirier, tout récemment pour ce même roman. Félicitations et bonjour, Michèle. Merci beaucoup. Bonjour Vanessa. J'adore qu'on fasse semblant de ne pas se connaître. C'est un grand Oui. plaisir. Mascarade. Alors, Tania Valeros, de ton côté originaire de Gatineau, Tania signe donc avec La folie est une couleur bleu ciel, un premier récit déroutant sur la santé mentale où l'errance, l'étrangeté s'entremêlent au désordre et à la rémission, non pas sans une pointe d'humour, il est vrai. Je vais débuter tout doucement, en fait. Dans un premier temps, j'aimerais vous demander peut-être, Tania d'abord, Michèle ensuite, de présenter sommairement vos livres, simplement pour que les personnes qui sont avec nous, s'ils ne l'ont pas lu encore, s'ils n'ont pas eu cette chance, puissent se rattacher au reste de la discussion. Alors, Tania, je t'écoute. Oui, mais en fait, moi, mon livre, c'est une fiction. Donc, la personnage principale s'appelle Ambre. C'est une jeune femme qui a des troubles de santé mentale. Donc, dans le fond, on va la suivre, là, son cheminement, là, tout au long du roman, qui part de la santé mentale vers la rémission, tous les obstacles, là, qui vont se mettre devant elle également. Donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup, Michèle. Donc, moi, j'ai fait un roman super déprimant. Non, non, il est beau quand même. Mais c'est sûr, dans le fond, j'ai fait le récit des relations puis des anecdotes qui me sont arrivées avec des hommes, dans le fond, depuis que je suis toute petite jusqu'à ma vie d'adulte. Puis j'ai essayé de narrer ces événements-là sous la perspective du trouble de personnalité limite, dans le fond, dont je suis atteinte, mais c'est jamais nommé dans le livre. C'est vraiment comme une espèce de regard sur tout ça, de toutes sortes de situations traumatiques, mais belles aussi, qui s'est vu à travers le spectre de la santé, d'un trouble de santé mentale. Merci beaucoup, Michèle. Effectivement, une des choses dont on parle avant même de parler du contenu de ton livre, Michèle, c'est le titre, hein? Qui n'a pas dit « c'est un long titre » ou « ah, il me semble que tout est à l'intérieur de ce titre-là » Donc, j'y vais tout de suite, cette fameuse question. Donc, tu écris, Michèle, à la page 161 de ton très beau roman, « Comment savoir c'est où la limite si on n'y va jamais? » Ce qui est une question très valable. Et comme tu viens de le mentionner aussi, Michèle, tu écris vouloir faire ce livre-là pour que les manifestations des troubles de santé mentale dépassent, entre autres, les fameux critères du DSM-5, hein. Tu fais le choix conscient de ne jamais le nommer, comme tu viens de dire, le trouble avec lequel tu ou ta narratrice vis. Il y a aussi cette fiction, on y reviendra un peu plus tard. Alors que de ton côté, Tania, tu mets quand même 93 pages sur 115 avant de nommer ce mot, schizophrénie, ce qu'on voit s'installer, bien sûr. Et là, il me semble, en tant que lectrice, j'avais l'impression que vous aviez bien sûr le désir d'être lu, entendu, par-delà
cette question-là, vraiment de la santé mentale, d'un diagnostic même. Et je sais que c'est une grosse question d'entrée de jeu, mais j'aimerais savoir comment vous avez construit vos récits autour de cette pierre angulaire-là pour ne pas forcément en faire le point central finalement du récit. Bien, je peux laisser Tania répondre, débuter dans le fond. Oui, certainement. En fait, ben, on nomme schizophrénie, oui, mais c'est pas la seule maladie mentale, en fait, qui est nommée dans le livre. Je pense que Ambre, en fait, c'est un canevas. C'est le canevas de plusieurs problématiques, pardon, de santé mentale. Donc, la pierre angulaire, c'est vraiment ça. C'est la santé mentale. C'est comment le lecteur peut se voir au travers de la personnage principale, au travers des différentes étapes de sa vie, au travers des différents obstacles. Donc, c'est sûr que je voulais pas mettre seulement l'emphase sur la schizophrénie parce que c'est vraiment simplement un tout petit, ben pas un tout petit, c'est un item parmi tant d'autres dans sa maladie. Donc, c'est vraiment, c'est un canevas. Je pense que c'est comme ça que je vais le dire. Merci, Michel, de ton côté. Ben, en fait, ma question à moi, c'est plus comment j'aurais fait pour écrire un livre qui parle pas de troubles de santé mentale. Et puis, dans le fond, j'ai pas nommé le trouble de personnalité limite dans mon livre, ni au début, ni à la fin, ni au milieu, parce que je voulais faire un portrait de la vie de quelqu'un qui est vu à travers ce spectre-là. Comme moi, c'est comme ça que je vis ma vie de tous les jours. Fait que j'ai écrit le livre des événements qui se sont passés comme je les ai vécus à travers ça, mais un peu comme une personne, admettons LGBTQIA2+, on n'est pas obligé de faire de son personnage uniquement cette quête-là dans une série télévisée. Ben moi, je suis autre chose que mon trouble de santé mentale. C'est juste que ça s'incarnait naturellement dans le récit, puis c'est lié avec tout ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Je lis un extrait donc de « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. » Ok, je le pointe, mais finalement, avec ce soleil extraordinaire qu'il fait à Québec, on ne le voit pas. Mais je lis un extrait et donc je t'adresse la question ensuite. Michel, tu écris donc à la page 108 « Je me sens puissante et auréolée comme Marie la Sainte Vierge. Sauf que je ne suis plus vierge depuis. Je ne suis plus vierge. C'est une imposture qui peut seulement s'écrire dans un livre. On appelle ça de l'autofiction. » À partir du moment où tu dis au monde que ton livre, c'est de l'autofiction, tu peux tout dire de toi, enrober la vérité, la lustrer ou l'étendre dans des proportions ridicules. C'est correct. Les gens ne sauront pas si c'est ton histoire ou celle d'une autre, si c'est ta vie qui a l'air d'un article du DSM-5 ou bien si tu inventes tout ça pour te rendre intéressante au cas où tu écrirais un livre. Ça a été répété plusieurs fois, ton livre, c'est un livre qui peut être difficile à lire par moment. Il est aussi difficile finalement que l'élan qui nous porte aussi d'une couverture à l'autre. C'est un livre qu'on dévore vraiment. Et ton sens de la narration, moi, c'est une des choses qui m'a le plus surprise et vraiment percutant. Donc, on parle, oui, d'un récit sans compromis, mais pourtant, je suis certaine que tu as dû négocier, oui, avec toi-même, mais aussi avec les gens que t'aimes pour écrire un livre qui est aussi vrai. Et oui, oui, me fait-elle de la face. Oui. Ben, c'est ça, on sait en fait qu'écrire, ça coûte quelque chose, hein? Ça coûte quelque chose en temps, en émotion, mais aussi en relation. Et vous avez toutes deux écrit des livres, qu'ils soient fictifs ou non, qui sont intimes, sensibles, qui placent aussi à la fois dans une position de vulnérabilité, mais de prise de parole sur le récit, sur son récit aussi. Et j'aimerais savoir en fait comment vous avez négocié ces récits-là avec votre entourage, si vous avez dû le faire aussi, ou sinon comment vous vous êtes placé dans votre droit d'écriture. Peut-être Michel, si tu veux rebondir ensuite, Tania. En fait, oui, il a fallu que je négocie. Ben, c'est-à-dire que pour moi, c'était pas une question. Il fallait que j'écrive dans la vie. Puis j'ai essayé d'écrire toutes sortes d'affaires avant ce livre-là. Puis ça manquait un peu d'authenticité. Puis paradoxalement, c'est une des premières choses que j'ai écrites sans me soucier de qui allait le lire. Puis c'est une des choses qui est les plus authentiques, dans le fond, que j'ai écrites. Mais c'est sûr que ça posait tout un tas de problèmes par rapport à mon entourage, par rapport à ma famille.
Puis je dirais que dans les personnes qui ont le moins aimé le livre, c'est souvent les personnes les plus proches de moi. Pour toutes sortes de raisons, mais souvent, en fait, le trouble de santé mentale, du trouble de la personnalité limite, c'est vraiment une panoplie de comportements puis d'attitudes qui peuvent être déconstruites, là, mais ça prend beaucoup de temps. Puis c'est des comportements qui sont souvent très toxiques puis nocifs dans les relations interpersonnelles. Fait que les gens proches de moi aussi, c'est comme ces comportements-là que je décrivais dans le livre, ils les ont vécus d'une autre façon dans la vraie vie, mettons, que dans le récit. Fait que ça leur donnait une perspective. Tu sais, il y a une question de comme, ouais, tu le dis que t'es comme ça, mais c'est pas tout à fait le même que nous, on l'a vécu, tu sais. Fait qu'il y avait une justification de comment est-ce que t'es versus ce que t'as écrit sur ton trouble de santé mentale. Puis ça, c'est une quête encore aujourd'hui, là. Fait que c'est non-stop un peu. Ouais, sans doute, ça doit pas être évident. Puis en même temps, qui peut vivre une situation de la même manière, hein? Bon, après ça, c'est une autre question, peut-être Ouais. pour une prochaine table ronde. Tania, de ton côté, est-ce que tu as eu à négocier? Est-ce que Ambre, finalement, elle appartient à ton histoire ou c'est vraiment une dissociation et c'est une pure invention de ta pensée? Ben, c'est certain que je peux pas prétendre avoir vécu tout ce que Ambre a vécu, là, parce que ceux qui ont lu le livre le sauront, là, elle en a vécu pas mal, là. Donc, c'est certain qu'on peut me retrouver au travers de la personnage principale, veut, veut pas, c'est, je l'ai créé dans ma tête, parmi mes expériences, parmi certaines cheminements de vie que moi j'ai fait. Mais non, je peux pas prétendre que j'ai vécu ce qu'elle a vécu. Puis je pense que c'est ce qui rend ça un peu plus facile pour moi. En fait, j'ai pas eu à négocier avec mon entourage autant qu'on peut me reconnaître au travers de ce roman-là que c'est pas quelque chose qui a, tu sais. Oui, je peux pas dire que mes proches ont pas vécu des problématiques de santé mentale. Je peux pas dire que moi, j'en ai pas vécu dans ma vie non plus. Mais c'est pas quelque chose que j'ai dû négocier, en fait. Là, ça, on peut pas me reconnaître à 100% au travers de qu'est-ce que la personnage principale vit. C'est une fiction, là. Ouais. Vous êtes sur le même point commun, c'est en fait, c'est un premier livre, donc on parle de primo-romancière. Un livre, bien sûr, ça ne s'écrit pas seul, et en dehors de vos récits, j'avais quand même envie de vous entendre sur peut-être votre expérience d'édition. Donc, un livre, ça se négocie aussi en termes de direction littéraire, de révision linguistique aussi, qui peut nous amener à renégocier des idées, parfois même. Et donc, voilà, j'avais envie de vous entendre autour de votre travail éditorial, qu'est-ce qui a bougé entre le manuscrit qui a été soumis puis ce qu'on peut lire, ce qui est en librairie. Tania, je te lance la question d'abord. Oui, ben en fait, moi, ça a quand même pas mal changé. Au départ, ma personnage principale, c'était vraiment, elle était dans sa tête, dans sa bulle, donc elle se parlait à elle-même, puis au lecteur également. Donc, elle renvoyait ses questions au lecteur, ses observations au lecteur également. Puis, dans le fond, avec le travail éditorial, j'ai comme compris là, que tu sais, ça pouvait bloquer un petit peu la fluidité du texte, là, tu sais, que le fait qu'on rappelait, on interpellait le lecteur de cette façon-là. Donc, les interactions là, qui étaient peut-être un petit peu mal placées. Donc, à ce moment-là, ça a été le plus gros travail, ça a été de rendre ça plus fluide, là, de rendre ça moins je questionne la personne qui lit, là, et plus je vous décris la situation. Puis sinon, c'est certain que moi, au départ, c'était pas l'objectif d'en créer un livre, là. C'était vraiment un plaisir que moi, je me faisais d'écrire et tout ça. Donc, c'était pas l'intention, là, tu sais, d'en faire un roman. J'ai ajouté les dialogues et tout ça au fur et à mesure, là, avec l'aide de ma sœur, là, quand on est rendu à envoyer le manuscrit et tout ça. Donc, ça a été le principal travail qui a été fait. Moi, je dirais que j'ai un super gros défaut, là, mais je pense que ce livre-là, il est à l'image vraiment de ma vie, là, comme c'est un peu chaotique par bout. Puis mon écriture est un peu comme ça aussi, là, c'est-à-dire que moi, j'ouvrais plein de portes, puis tu sais, je les laissais ouvertes, puis je m'en allais, là, tu sais, j'avais plein de portes ouvertes, c'est ça, dans mon récit, dans mon histoire, puis j'étais comme, ah, ça
C'était intéressant, je vais le mettre, mais je vais pas le creuser. Puis mon éditeur a fait, non, non, là, tu sais, tu peux pas faire ça, quoi. Si tu ouvres une porte, il faut que, tu sais, pour amener le lecteur dedans ou la lectrice, il va falloir que tu creuses là-dedans, puis que tu donnes un contexte. Sinon, garde la porte fermée, tu sais. Fait que ça a été surtout ça, le travail, mais sinon, à la mèche, ils ont vraiment été, on a été comme dans un travail ben, très rigoureux pour ce qui est de l'orthographe, la grammaire, ces trucs-là, mais dans le style, on a surtout retravaillé l'ordre des tableaux, parce que le livre est écrit un peu sous forme de tableau. Fait qu'on a retravaillé l'ordre des tableaux pour que ça donne un sens à certaines comme étapes dans le livre, mais reste que l'idée que ce soit pas fluide, dans le fond, linéaire, du début à la fin, une histoire qui commence à un début, une fin, ça revient dans le passé, tout ça, c'est vraiment l'image de l'incarnation du personnage puis de l'autrice. Puis, je suis complètement perdue. C'est quoi la question? C'est bon, je voulais savoir Pardon. en fait, entre le moment où tu as soumis le manuscrit puis le livre qu'on peut tenir entre tes mains, qu'est-ce qui a bougé, mais je pense que tu as vraiment très bien répondu. Tu peux OK, rajouter cool. d'autres questions, Tant mieux. mais je t'assure, tu ne t'es pas perdu en chemin. Donc, Cool, c'est bon. peut-être que dans ta tête, il y a eu des portes qui se sont ouvertes, mais de notre côté, c'est très Il y a une chose aussi que vos récits ont en commun, c'est que si au premier abord, on peut parler peut-être de quête amoureuse dans vos deux livres, ben, on parle surtout de désir de reconnaissance, de confiance, de capacité d'abandon aussi, de discernement. Et je trouve que vous marchez toutes deux vraiment sur une fine ligne entre ce qui pourrait être de l'amour ou vraiment tout son contraire finalement. Et je me demandais, c'est intéressant parce que Tania, tu parlais justement de cette conscience-là du lectorat au moment de l'écriture et de la réécriture. Donc je me demandais, est-ce que vous étiez consciente de ce jeu de pouvoir-là, de perception entre vous et votre lectorat au moment de l'écriture elle-même? Tania, alors je Ben, la je vais tête et essayer on lui donne la parole. de la lire. Ben, en fait, c'est certain que oui, le jeu de perception, moi, j'accroche beaucoup à ça parce que l'objectif principal du livre, c'était que le lecteur puisse se reconnaître d'une façon ou d'une autre au courant des pages. C'est peut-être pas dans l'entièreté de l'œuvre, mais tu sais, dans une petite partie. Donc, c'est sûr que oui, en fait, j'ai essayé de rendre l'œuvre le plus comment dire, je vais dire neutre, mais le plus accessible possible à tous ceux qui le lisent pour justement que la personne puisse s'y retrouver. Donc oui, c'est certain que oui, j'étais un petit peu consciente de ce jeu de perception-là qu'on pouvait avoir. Peut parler d'une prise ou d'une reprise de pouvoir parce que ta personnage, elle est pas du tout, elle est pas sans pouvoir là dans le récit. En tout cas, moi, je l'ai vraiment pas senti comme ça. Mais est-ce que dans l'écriture, la reprise de parole justement était quelque chose qui faisait avancer et le récit et toi-même peut-être à la fois? Ah ben oui, je dis tout le temps que ce livre-là, c'est mon plus gros acte de révolte. Dans le fond, tout ce qu'on m'a dit de pas faire puis de pas dire, je l'ai mis dans un livre, puis je l'ai sorti, puis j'ai fait comme bon ben arrangez-vous avec ça maintenant. Mais je pense pas qu'il y ait dans le fond, dans le côté comme par exemple dans le livre de Tania, il y a un côté peut-être plus universel dans le fait qu'il y a un élément plus évident de fiction. Dans le mien, il y a vraiment un côté plus récit. Je pense que ce qui devient universel là-dedans, c'est les émotions. Même si on n'a pas vécu tout qu'est-ce que je raconte dans ce livre-là, il y a des émotions, je pense, qui sont décrites puis qui sont abordées de sorte que on n'est pas obligé d'avoir vécu un abus, par exemple, pour se sentir rejeté, abandonné, trahi, etc. Donc, c'est des émotions qui sont universelles puis que je pense que c'est grâce à cette transmission-là. Ces descriptions-là aussi d'émotions puis de sentiments que j'arrive à rejoindre plus le lecteur, la lectrice dans sa perception des choses, dans le fond. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois quand tu parles de ton livre, Michel, en entrevue, que tu dis finalement j'ai fait tout ce qu'on dit de pas faire dans un livre, c'est-à-dire de se dévoiler puis d'être vraiment sans filtre. Mais c'est même pas une question, c'est une observation. Mais est-ce que les œuvres littéraires qui sont dans la voie de l'autofiction ne sont pas justement les plus fortes, sont celles où on se commet, celles où l'ensemble de nous-mêmes est sur la table. En tout cas, pour ma part, ce sont mes favorites, je dois l'avouer. Tania, tu écris ceci dans La folie est une couleur bleu ciel.
Tu écris « J'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas très patiente. Je ne mets pas de gants blancs lorsque je parle aux gens. Je suis critique et je doute beaucoup. Je ne mets souvent pas les efforts nécessaires pour développer des affinités avec les autres. La superficialité me rend malade. Je ne suis pas très obéissante. Surtout, j'ai des opinions déplaisantes. Je cache beaucoup de colère. Je la range dans l'armoire à céréales et le matin, je m'en sers un bol entre 9 et 10 heures et puis j'oublie. Je ne suis pas vraiment fiable. Je me défile sans arrêt. J'ai peur d'affronter la réalité. Je préfère m'asseoir calmement sur le perron et regarder le temps passer. Et aussi, je dois avouer que j'ai déjà tué quelqu'un. Je n'ai pas utilisé de fusil, de couteau, de poison, ni même mes propres mains, non. Pour ça, seuls les mots ont été nécessaires. Vraiment, je vous assure, il y a des mots qui tuent, et moi, je les ai trouvés. Je ne dirais pas vraiment que je les ai cherchés, non. Ils se sont imposés d'eux-mêmes. » Tu as une narratrice plutôt antipathique. Par moment, on a envie de vouloir l'aimer, mais c'est quand même, ça se défile un peu toujours. Mais une chose qui m'a frappée, et je trouve que ça ici, c'est un beau jeu de miroir, c'est que tu parles de l'hôpital psychiatrique comme d'un lieu de repos, finalement, comme un lieu de presque confortable. Et j'ai envie, vraiment, c'est rare qu'on voit cette position-là dans les récits. J'aimerais ça t'entendre sur ta manière d'évoquer l'hôpital psychiatrique. Oui, ben en fait, je pense que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le livre, c'est un petit peu la quête d'Ambre vers la santé mentale. C'est sûr qu'on ne peut pas cacher qu'on a des ressources là, ici au Québec là, pour passer au travers des désordres de santé mentale. L'hôpital psychiatrique en est un. Puis je pense que c'est important de le nommer. Puis il y a beaucoup de gens qui ont jamais eu la chance de voir c'est quoi ça avait de l'air. Puis ils regardent des films, puis ben là, c'est sûr que c'est décrit comme étant c'est un petit peu. C'est pas les gens qui sont là, c'est pas des fous là nécessairement. Là, c'est pas comme on le voit dans les films. C'est ça que je veux dire en fait. Donc je pense que c'est important que je le nomme. Moi j'ai travaillé en fait, j'ai fait des stages dans un hôpital psychiatrique lorsque j'ai étudié pour être infirmière. Donc j'ai eu une vision aussi de l'hôpital psychiatrique qui est pas mal différente que qu'est-ce qu'on voit dans les films. Donc je pense que c'est important que les gens sachent que si ils sont rendus là, ben il y a cette ressource là qui existe là, puis c'est pas une faiblesse d'y en arriver là. Ça peut être un lieu de repos, comme on dit, ça peut être un lieu de renaissance, un lieu où on peut finalement trouver la paix dans le fond intérieur. Ouais. Je peux rebondir. Oui. OK, cool. Parce que, dans le fond, l'extrait que tu as lu du livre de Tania, moi, ça me rejoint vraiment beaucoup, là. Je l'ai fait mon tour à plusieurs reprises à l'hôpital psychiatrique, là, puis je veux dire, je suis capable d'accrocher des cadres de ces murs puis de, tu sais, d'écrire un livre, là. Mais dans le... Puis je sais pas, peut-être que Tania peut ajouter quelque chose là-dessus, là, mais le trouble de personnalité limite aussi, c'est super stéréotypé comme la fille hystérique là, qui est flamboyante, qui est attirante ou attrayante, mais en même temps que tu veux surtout pas avoir dans ta vie parce que comme ça va tout détruire. Puis un côté de ça qui est vrai, mais comme la façon que c'est représenté, ça aide jamais à ce que ce soit déstigmatisé. Puis comme c'est ça, dans le fond, je voulais faire un lien avec ta représentation. Tu parlais de l'hôpital psychiatrique, là. Je trouvais que c'était vraiment juste de la façon que tu t'en parlais. Ben merci. En fait, c'est l'expérience de mes propres yeux que j'ai mis dans le livre. Tu sais, chacun a une perception différente, évidemment, de cet hôpital-là. Là. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, là, comme étant un lieu où, tu sais, ça sert à rien de s'entrejuger. Tout le monde est là pour obtenir de l'aide, dans le fond, là, tu sais. Ouais. C'est beau parce que ça fait. Vas-y, Michel. Nous, on est partis, là. Ah oui. Puis, en fait, là, tout ça, on a ri, puis j'ai perdu mon idée, mais je faisais du pouce là, dans ma tête sur ce que Tania vient de dire. Puis, même, tu vois, comme cette semaine, j'ai eu un rendez-vous médical, puis et comme je parlais à ma copine, puis je disais. OK, là, je veux me faire prendre au sérieux parce que dans mon dossier, il est écrit que j'ai un trouble de personnalité limite, machin, nanana. Fait que qu'est-ce que... Puis ma copine est infirmière. Fait que là, je lui disais, qu'est-ce que je peux dire en arrivant dans mon rendez-vous pour que, tu sais, ça se passe bien puis tout ça. Fait que même, je veux dire,
à travers des œuvres littéraires, les deux, on a essayé de parler de ces stigmates-là. C'est ça, stigmate, OK. Puis, mais en même temps, toi, tu l'expérimentes en vrai, c'est-à-dire que tu es témoin de patients puis de patientes qui le vivent, puis moi, comme patiente, je le vis aussi. Fait que c'est comme à deux niveaux, là, toute cette histoire-là, c'est super intéressant. On aurait besoin d'une heure, définitivement, mais ce que je trouve très beau, en fait, puis vous l'avez nommé, ce que j'allais dire quand je t'ai coupé la parole, je m'excuse d'ailleurs, Michel, c'est le malheur du différé ou d'être pas dans la même pièce, mais c'est vraiment cette idée-là que, oui, la littérature a un pouvoir de déstigmatisation, puis je sens qu'il y avait une volonté dans les deux œuvres qu'on présente aujourd'hui d'aller en ce sens-là. Il nous reste que 5 minutes, malheureusement, les unes avec les autres, donc j'ai envie quand même de lire cet extrait-là parce que je m'en voudrais de ne pas élire l'extrait et de parler de ce qui vient avec. Toujours dans « Y avait-il des limites? » Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. Tu écris, Michel, cette chose dans laquelle quand on parle de « on n'a pas à vivre nécessairement la situation pour se reconnaître », pour moi, c'était une des plus belles. J'ai lu cet extrait-là et je me suis dit « ah, waouh, j'aurais voulu l'écrire et je pense qu'on est plusieurs à se retrouver là-dedans. » Donc, tu écris. J'étais persuadée d'être ce genre de femme fidèle, amoureuse d'éternité, sage. Je voulais faire des promesses et les tenir. J'aurais voulu pouvoir savoir comment. Mon barrage était craqué, mon corps constellé de fissures. Je n'avais plus envie de me retenir de quoi que ce soit. On ne trompe pas contre, on trompe pour. Je trompais pour vivre quelque chose de plus qu'un samedi après-midi dans une microbrasserie au soleil, qu'un souper de famille le dimanche, que d'acheter du saumon fumé en format familial au Costco. Je trompais pour ressentir la douleur, la torpeur de la fièvre, l'insomnie de mes désirs. Je trompais pour moi. C'était une prise de parole, un acte de révolte. Je choisissais, je voulais, je faisais. On avait possédé mon corps sans consentement toute ma vie. Je faisais enfin quelque chose pour moi, strictement pour moi. Juste prenez le temps de laisser ça entrer en vous. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que de ton roman, et c'est la même chose pour Tania, on pourrait parler de santé mentale au premier plan. On pourrait s'arrêter au sort terrible que connaissent les protagonistes de ces deux livres-là. Mais ce sont des livres, j'ai l'impression, qui sont aussi résolument féministes, qui sont dans une prise de parole, de pouvoir. Et je trouve ça magnifique parce que, Michel, j'ai l'impression que par ton expérience, tu convoques une espèce de constellation de femmes, sinon toutes, quand tu écris, mes émotions sont des prétextes pour me trahir, pour me disqualifier, je pars dans le vide et quand j'ai l'audace de m'insurger, je le fais jamais comme il faut. Et c'est ce que tu viens de nous dire par rapport à ton expérience de l'hôpital aussi, comment dire les choses pour ne pas être catégorisée hystérique. Et je voulais juste, il n'y a pas de question, je voulais juste l'amener, Mais juste que toutes les femmes et toutes les personnes qui nous écoutent aussi et peut-être changent leur regard sur la manière d'aborder non seulement la santé mentale, mais la posture qu'on a en tant que femme aussi dans la société. Voulez-vous rebondir? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous que ça évoque ou pas du tout? Moi, je pense que tu as l'inspire aussi, je pense. De ton côté, Tania, est-ce qu'il y avait une volonté justement d'avancer des sujets, des enjeux qui sont par rapport à l'expérience de femme? Ben, je dirais que j'espère en fait que n'importe quelle femme qui se retrouve dans ce livre-là et se reconnaît va trouver la force dans ce roman-là. C'était pas l'objectif principal, mais je suis vraiment heureuse s'il y a quelqu'un que ça l'aide à cheminer, en fait, là, de sentir plus forte grâce à ce livre-là, qui est le livre d'une femme qui passe au travers de problèmes, là. Est-ce que je peux ajouter quelque chose vite fait? Oui, absolument. OK. Parce que dans tout mon parcours, moi, médical, qui a été fort long, j'ai rencontré du personnel médical, dans le fond, des travailleurs sociaux, des psychologues, des personnes en psychiatrie, justement, pour faire un lien avec Tania, là, comme ces personnes-là, moi, m'ont écouté. Il y en a qui étaient, tu sais, qui avaient pas de bon sens, là, mais il y en a qui étaient corrects, qui m'ont écouté, qui respectaient ce que j'avais à dire, puis qui m'ont encouragée dans le fait de faire
les choses, de m'assumer puis de prendre de la place, même si c'était pas de la place comme les autres prenaient, tu sais. Fait que l'idée, dans le fond, comme Tania, avec son récit puis son travail de professionnelle de la santé, elle peut inspirer aussi personne à prendre conscience en elle, dans le fond, pour pouvoir créer avec ce type de santé mentale-là. C'est-tu clair? Oui, absolument. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez, je vous avais été figée pendant un petit instant, mais voilà, on semble être toutes revenues. Okay. Tania Valeros, Michel Lapierre-Dallaire, merci beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Merci pour vos livres aussi. Il y a des remerciements de la part du public. Donc, merci bien sûr aux personnes qui sont venues vous écouter. Mais surtout, surtout maintenant, il faut les lire, ces femmes, il faut les entendre, il faut mener plus loin cette discussion-là. Ce n'est pas qu'à elles à apporter la déstigmatisation, bien sûr. Donc, je le rappelle, y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. OK, de Michel Lapierre-Dallaire, c'est publié aux éditions La Mèche. Et La folie est une couleur bleu ciel de Tania Valeros. Je m'excuse, c'est l'heure du soleil, hein, de Tania Valeros, donc aux éditions David. Je vous remercie encore une fois toutes deux, le public également. Le Salon du livre ne fait que s'ouvrir, c'est le tout début, donc je vous invite à rester avec nous cet après-midi. Il y a encore d'autres animations, d'aller à la rencontre des auteurs, des autrices de l'Outaouais et par-delà les frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très vite. Merci.